Darwin's test, made by French people. Motion blur? Yeah. Actually, you know what? Literally, because it'll bother people. Nice. Okay. Cool. Continue. On ne peut pas programmer ce genre de choses. Wait, Z to move? What? Why is Z to move forward? Okay, S to walk backwards, Z to go. Huh? Why is it S goes backwards, Z goes forward, D goes to the right, and then Q goes to the left? Wait, how do I position my hands? A to left, D right. Okay, Q and D. Q, D, Q, D. What? Z is where W would be on a French keyboard. Dude. Okay, what the fuck? Oh, shit. I'm sorry. There we go. Donating for a good cause. We all know you're on the spectrum. Well, thank you, buddy. I appreciate the $10, Dr. Raccoon. I used to have an issue with my internet in Austin. Whenever the guy comes out to help you, you may ask him to check the router for a booster that used to be in the 90s. The device is now built into routers and will cause your network to crash. Okay, our router is brand new. Does not have that. Sorry about that. I read that. All right. Nice. Now I'm ready to play. Où est-ce que je suis? What? Oh. Toutes ces portes, je ne comprends rien. Okay, thank you. Yeah, it's following me. Arrêtez, sortez de ma tête. Okay, we're stuck. Ma tête. C'est quoi cet endroit? Okay. Oh shit. I'm fucking French people. Merde, la porte. Réinitialisation en cours. Whoa, doucement là. Qu'est-ce qui se passe? You should move to Europe, somewhere outside the EU. Norway is very nice and I never have internet issues now. Hein, qui êtes-vous? Je suis votre docteur. Vous ne vous en souvenez pas? Non, je ne me souviens de rien depuis mon réveil. En effet, c'est normal chez les patients victimes d'un grave accident. Quoi? Comment ça? Eh bien, vous avez subi de graves lésions cérébrales, d'où votre amnésie. Mais ne vous inquiétez pas, celle-ci ne devrait être que temporaire. Comment je m'appelle? Je ne peux rien vous dire, c'est contraire au protocole de soins. Vous devez retrouver la mémoire par vous-même. Mais où est-ce que je suis? Pourquoi je suis enfermé? S'il vous plaît, évitez de vous énerver. L'opération de reconstruction de vos lésions cérébrales est encore toute fraîche. Contentez-vous juste de résoudre ce test. Je vous attendrai dans la prochaine salle. Un test? Quoi? Attendez! Merde! Réinitialisation en cours. Okay. Bien, je vois que vous y êtes arrivé facilement. Nous allons donc pouvoir continuer votre évaluation. Mon évaluation? Oui, afin de nous assurer que suite à la reconstruction de votre cerveau, celui-ci fonctionne bien. Et pour ce faire, une évaluation composée de 10 tests différents et d'un test final est nécessaire au patient pour pouvoir établir son profil psychologique et physique qui servira notamment à valider sa sortie de l'hôpital. Et je suppose que vous n'allez pas me dire pour quel hôpital vous travaillez. Malheureusement, non. Comme je vous l'ai dit, c'est contraire au protocole de soins. Vous devez vous soigner par vous-même, sans interférence avec le corps médical. Alors allez-y, avec celui-ci, il ne vous en reste plus que 9. Ouais. Ok. Allez-y. Boom. Attendez, qu'est-ce qui se passe si je tombe dans cette eau? Oh
ne vous inquiétez pas, c'est un liquide conçu spécialement pour vous dématérialiser et vous reconstruire dans le sas. Il nous permet de vous évaluer à un risque potentiel de mort. Ce n'est pas très rassurant. Ok, imagine it dematerializes you. When I'm in Austin next year, can I come over and your buddy chew my hand off while I try to pet him? You cannot, Dova. That is a fucking no. Have you seen the new game called Spellbreak? The PvP looks crazy in all the mages. No, I haven't seen it. They were the three yellow. Le test vous demandera un peu de réflexion. Rien de très compliqué en soi. Mais bon, certains patients ont dû en rester là. J'espère que ce ne sera pas votre cas. Très drôle. Most patients had to stop here. You're trolling me. I own. Je vois que vous avancez bien. Alors dans cette salle, nous allons tester. Is this bad? That's bad, right? J'espère que vous n'avez pas perdu la forme. Huh? What happens if I... Can I throw? Okay, hold on, I gotta put it right here. Hold on, it seems like the corners can actually leak through a little bit, so if I do it like... Oh, I see, okay, I have to lean it in a way. Watch, watch. No, 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 lean it differently. Okay. Fuck! Hold on, wait, what does this do? Is there a different way to do this? I mean, I try and grab the other cube, but... Oh, maybe I can duck. Oh, I can duck with it. Oh, shit. I'm sorry. Easy. I see. Watch. I'm a genius. But I want to pet Buddy Pepe hands. Maybe someday, brother. Okay, I got it. Oops. Wait. Okay. I guess I'll just, okay, I'm just gonna do it. I'm just gonna do it this way. I'm just gonna go with it. Nice. Okay. Button. Je me souviens pas avoir entendu parler de ce genre de test pour des personnes victimes d'un accident.
Nous avons débloqué les fonds et obtenu les accords il y a seulement un an. Et le projet étant expérimental, il reste réinitialisation viable à 100%. Attendez, vous êtes en train de me dire que je suis un putain de cobaye? Yes, I am a guinea pig. En aucun cas, nous vous forcerions à passer ces tests. Je me souviens de rien, alors famille ou pas, pour l'instant je suis seul. Certes, mais ne vous inquiétez pas, votre mémoire devrait revenir très vite. Bon, nous allons maintenant passer à un test de morale. Et ça consiste en quoi? Oh, ce ne sont que de simples choix qui nous permettront de déterminer votre personnalité. En l'occurrence, dans ce premier choix, vous avez à votre gauche un humain et à votre droite okay. un animal. Ouais, et alors, où est-ce que vous voulez en venir? Eh bien, imaginons que vous avez en votre possession le pouvoir de mettre fin à la vie d'une de ces deux espèces. Laquelle choisirez-vous? Attendez, on est d'accord que mon choix ne sera que théorique. Bien sûr, pas d'inquiétude, ce ne sont que de simples vidéos. Alors allez-y, faites votre choix. Ah, ok. Interesting. Mr. Nigel, Grant J, JL Saman, conditional. Thank you guys. So what's your new go-to game, even when off-stream, what are you likely to play? Dead by Daylight, Warcraft 3. Basically, two games that I don't even... Well, I like Warcraft 3, but... I literally play Dead by Daylight because there's not really much else. Like, I just hate all the games out right now. Hail Satan. Non, non, vous m'aviez dit que mon choix n'était que théorie. Et c'est le cas, alors calmez-vous. Même si cela paraît très réaliste, ce ne sont que des effets spéciaux. Et grâce à cela, nous avons récolté votre réaction face à la mort d'un être que vous avez condamné. Vous m'y avez obligé. Oui, mais c'était le seul moyen pour nous de savoir si vous aviez un instinct meurtrier. Et fort heureusement, vous êtes plutôt sensible face à la mort. Qui ne le serait pas? Oui, certes. Maintenant, vous pouvez continuer. It should have been me. Oh non, j'imagine que je dois encore choisir. Évidemment, mais cette fois-ci, entre un jeune bébé et un homme proche de la mort. Toujours froid dans le dos. Continuez, s'il vous plaît. Bien, pour ce dernier choix, je vous demande de choisir entre votre propre mort ou la mort d'une tierce personne que vous ne connaissez pas. Non, vous vous foutez de moi. Vous voulez me cramer? Bien sûr que non. Comme je vous l'ai dit, ce n'est que oh, théorique. Shit. I'm sorry. Voyez, vous n'aviez aucune raison d'avoir peur. Tout ceci nous a permis de mieux vous connaître et de déterminer votre profil psychologique. Ouais, vivement que ça soit terminé. Vous avez donc choisi de sauver l'espèce animale, de prioriser les plus jeunes, et de sauver votre personne plutôt que de sacrifier les autres. Très intéressant. Yeah, fuck everyone else. Réinitialisation en cours. It's French as fuck. It is. It's like a little Portal 3, but French version. Numéro 5. Vous en êtes donc à la moitié du protocole de soins. Nous pouvons donc passer à des tests un peu plus compliqués. Tant que ça n'implique pas de tuer des gens, ça me va. I need this cube. Oh shit, I'm sorry. Put on purple lights. You want purple lights? Why? Friendly reminder to the streamer and chat. Stand up and walk around every few hours to prevent blood clots Fuck. Forming in your legs and killing you by clogging up your veins the next time you stand up smile. Thanks for the 10 bucks, dude. I can see you're trying to make me paranoid, but I could care less. Vous poser une question? My only paranoia stems from the fact that I'm still alive. L'accident était-il si grave que ça? Thanks. Pour que je sois éligible à ces tests. Oh, je ne suis pas censé vous le dire, mais je ne pense pas que cela puisse affecter les tests. Pour être précis, vous avez eu un accident de voiture. Le choc de l'impact a littéralement compressé votre boîte crânienne. Votre cerveau était dans un état déplorable. Alors votre cas était très favorable au projet. Wow, j'aurais peut-être pas dû demander. Fucking cubes. Okay, I need to grab this box. This box must go there. Now I need my other box. Code editor, Grizzly Brand, Waste. Thank you guys. Whew, speedrun. I do have a standing desk. I don't use it though. I don't use the standing part of it. Let me flip that. Okay, now I can get the next cube. No probs. It's like,
I actually probably would use the standing desk part of it. Like, I would stand up sometimes. If I didn't have so many fucking cables that I'd probably, like, start stretching. Eh bien, félicitations. Je ne pensais pas que vous passeriez sur le site. Ouais, j'ai l'impression que dans mon mémoire, le reste fonctionne plutôt bien. Et cela signifie que votre rétablissement est en bonne voie. Ah, vous pourriez allumer la lumière? Ah oui, désolé. Wow, des lasers? Vous voulez me tuer ou quoi? Bien sûr que non, c'est juste pour stimuler vos réflexes. Mais évitez quand même de les toucher, ça picote un peu. Ça devient quand même de plus en plus dangereux, ces tests. Arrêtez de vous inquiéter, vous n'allez pas en mourir. Ouais. I can't believe Valve stole... Can't believe Valve stole the puzzles for Portal 1 and 2. They did. I jumped. Stealing content, dude. Fucking Valve. Okay. Ow. That was hard. Eh bien, vous avez une excellente forme physique. Ça se voit que ce n'est pas vous qui souffrez. Au moins, vous n'avez pas oublié votre sens de l'humour. Faut croire. Wait, what? This is fucked up, hello? Oh, I see. Whew, I think I clipped something in the wall. Oh, jeez. Fuck! Ouch. I'm farming. Ah. That is unlucky. How in the hell? What do I... Okay. Like, I can't, there comes a point where I can't do both. Ah! Oh my god, I see. Okay, come on. Watch. Watch this, watch this, watch! You'll see maximum skill coming at you. After this. Bullshit ass game. Okay, now it's coming at you. Just wait. Okay, hold on. Let me just watch. What? Let's go, baby.
I spaced out. Oh my god, I'm good. Fuck you. Et un test de plus de validité. Il ne vous en reste plus que 4. Vivement que ça soit terminé. Réinitialisation en cours. There you are, Thalo777. Caravan Caveman, thank you guys. Oh, just dodge lasers, champ! Laser à détection de mouvement. Attendez, vous êtes sûr que vos tests sont non létals? Comme je vous l'ai dit, à part un petit picotement, les lasers de ces tourelles sont inoffensifs. Et je suppose que ça fait partie du fameux protocole. Oui, selon nos experts, la stimulation extérieure est très bonne pour le rétablissement du corps et de l'esprit. Et plus elle est accentuée, plus elle est efficace. Ouais, ce protocole commence sérieusement à me faire chier. Ah! Is this a joke? Okay, what if I go super fast? Oh! What? Réinitialisation en cours. I got caught. Okay, hold on. Peace, losers. What? Réinitialisation en cours. I'm out of here. Oh my god. Oh, they're disabled. Oh. Ah, stop it. Servir de ce cube. En même temps, il n'y avait pas d'autre moyen. Maintenant, voyons voir si vos réflexes sont affûtés. Ha! Fools! Shit. I win. Hein? Ce test est déjà fini? Eh bien, il faut croire que non. Nous l'avons juste séparé en plusieurs petites salles. Commencez pas à essayer de me duper. Vous m'aviez dit 10 tests, donc c'est 10 salles. Bien entendu, ne vous inquiétez pas. C'est la seule qui est comme ça. Y'a intérêt. Thanks, Shade. Devota. Thank you, guys. What happens if I do this? Ah! Peace. Ok, non, là je rigole plus. C'est quoi cette merde? Eh bien, ce ne sont que 48 tourelles laser. À vous d'être assez rapide pour les désactiver, si vous ne voulez pas subir de choc. Mais vous êtes taré. Non, c'est juste le... Le protocole de merde, oui, je sais. Eh bien alors, allez-y. Go, 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 go. Allez, un petit effort. Il ne vous en reste What? Plus que 3. I did it. Réinitialisation en cours. I earned myself a chicken finger. Thank you, Angelica, Chicken Champ. Thank you. Encore des lasers? Eh bien oui, il faut bien mesurer vos capacités physiques. Je pense qu'il y avait d'autres moyens pour y arriver.
Bien sûr, on aurait pu vous faire courir sur un tapis roulant, mais ça n'aurait pas été aussi stimulant pour votre cerveau que de se sentir proche d'une panthère des loups. Fuck. Huh? Okay. Mais à quoi vont vous servir le résultat de tous ces tests ? Dans un premier temps, à des fins d'analyse et de recherche. Et dans un second temps, à votre rétablissement, qui est entre autres en très bonne voie. Si vous le dites. Fuck. No, no. Wait, I think the box made it. It didn't. I can't get the box through here. Maybe, hold on, Strats, check this out, watch. They're gonna be really impressed by this. Okay. Fuck! Okay, hold on. Hold on, y'all are talking shit right now. Oh, no, 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 titties! Just hold on. Oh my god. I'm trying to sit, I want to sit on the platform. Watch, and be like this. Like, hold it like that, right? See what I'm saying? Because I can go through the wall, but the cube cannot. That's my ultimate plan. Fuck! Dude, what do I do? Oh. Wait, only one cube. Strategy. I'm dead. Zero deaths coming at you. Zero deaths. Zero deaths. Okay, watch. Watch. Here we go. Here we go. Wait, what if I just hang out on the left side? Perfect. Perfect run.
What? Fuck! Why is the laser bouncy? Un jeu d'enfant. Bien, passons maintenant au test numéro 9. Et je pense que vous allez l'apprécier. Ouais, pour moi c'est plutôt une torture. Certes, à chacun son point de vue. Réinitialisation en cours. Ah! I'm a fucking genius. Allez, vous pouvez les allumer, vos lasers. Vous n'allez quand même pas refaire la même blague. Absolument pas, je ne ferai jamais ça. Et bah alors, allumez les lumières. Non, c'est impossible. Il n'y en a pas dans cette salle. Le seul moyen d'arriver à la sortie de celle-ci, c'est d'écouter attentivement. Oh non. Ouais, comment ça? Expliquez-moi! Merde. Where I came from there. Maybe not. I'm lost. I can't tell if I'm looking up or down. Bien, ah. Atteint la moitié de ce test. Votre oui est plus que parfaite. Merci, mais ce n'est pas ça qui va m'aider à retrouver la mémoire. Certes, d'ailleurs, ce problème m'inquiète un peu. Mais bon, normalement, quand vous arriverez au test final, votre mémoire devrait être revenue. J'ai quand même du mal à vous croire. Get me out of here.
Oui, enfin la sortie. Félicitations, vous avez dépassé toutes les espérances. Get fucked. Réinitialisation. Thanks, best bud. Thank you, sad penguin. Can't handle the motion blur. I know, man. It's hard. C'est grand. Effectivement, ce dernier test est composé des différents éléments que vous avez croisés durant votre protocole de soins. Ça devrait être un jeu d'enfant, alors. Théoriquement, oui. Mais nous allons quand même voir si vous pouvez le résoudre. Et une fois celui-ci résolu, le test final vous attendra. Okay. Oh, the final test, huh? Okay. Hey, what did that do? I need a cube. Oh, a button. Fuck. Fuck. Are you kidding me? What did that do? Oh, it got me this cube. Okay, cool. And then with this cube, I can go here. Earn. How do I earn this cube? Hold on. Thought I could stand on that corner and bug it. What does this box do for area? Oh, platform. Okay, so we go up here maybe. Ah! What did that do? This power. Oh, it powered that. And I have this cube now. Okay. No props. Wait, I needed to bring a cube over here, didn't I? Shoot! Okay, I gotta go back. It's no problem. Okay, I gotta bring this cube over here. Cube one. And then I need cube two. Wait, can I? No, okay. He's gotta stay. I'm carrying the cube. Hold. Watch. God, I'm good. There's a cube right there. Where? The one in front of me? Are you talking about this cube? You guys are fucking stupid. Alright, what else we got? What does this do? It does something up there. Hold on. Okay, let's take these cubes. Now that I have three cubes unlocked, let's take this cube. Let's put it here. Bring another cube. Oh, thank fuck. Wait, no, that's not the... What cube did I just lose, and where is it? Where is this cube? Oh, no. I think it's upstairs. I'm hoping it is. God help me. Please be up here. Don't be a... Oh, it's right here. Okay, this is an easy cube. It's no probs. Don't lose the cubes. Stop it. Stop.
Okay, this cube goes there. Let's go hit this button, see what this does. I don't know what that did. God damn it. So many cubes. Dodge, 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 dodge. So what I'm gonna do is I'm gonna speedrun, I'm gonna grab the cube, and I'm gonna use it as a shield. Or just max the distance. Okay, this works. I think I need to bring another cube up here. I will check in a moment. Huh? Oh. Yes. Yes, I must bring another cube. There's no fall damage, is there? I'm good. Okay, this cube goes up. Stop it. I think this is the end. Well, maybe not, actually. I think some complications are coming in. I'm okay. Ah! Hey, what's up? Look for the lab mics. Do you know where they are? Yes, they're up here. Okay. Somewhere up here. Okay. Now I go up. Dude. Fuck. Where's that cube at? Where is it? Oh, it's still up there. Okay. I can make it. I can do this. Get farmed. These lasers are getting rolled. Oh, excuse me. All right. C'est encore haut? Il se pourrait bien que oui. Alors ne tombez pas, vous pourriez vous faire un peu mal. Je m'en doute bien. Some Mission Impossible shit. Put me here. Oui, oui. Oh no. Wait, there's no more cubes. How am I gonna... What? It disappears? Fuck. Fucking French people. Dude, these people are French Canadian. They've always been a little bit off. They're not even... Yep, they're French-Canadian. I'm telling you.
Okay, hold on, I'm timed. What do you mean? I have to jump. I gotta jump in mid thing. Ah, fucking dicks. So wait, what does this do? This opens the final door. Hello? Okay, well, there's literally no other cubes available. So I'm gonna keep going up and maybe a cube will like be like, hey, say what's up or something, because there's no cubes down here to use. And I obviously can't move any of these cubes or I wouldn't be able to get up here. These cubes are stuck. Fucking parkour piece of shit game. The one you just passed? What? Oh, I can move the first one. Okay, hold on. Watch. The timing, dude. Okay, so wait. Oh, you're right. I don't need this here. Okay, come. What? That one? Oh. Oh. Come, cube. Watch me win. Ow. Okay, hold on. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Whew. Get fucked. What did this do? I think I can bring this cube back now. This cube is now mine. Yes. Jeez. Okay. Huh? Huh? Oh man, I have to make it drop, don't I? Okay. How do you guys feel about that?
No? I feel good. Be free, Cube. Yes. Félicitations, vous avez passé ce dernier test. Le test final n'étant qu'une formalité, vous pouvez considérer que votre protocole de soins est réussi. Vous pourrez donc sortir après le test final. Et bien, final test. Ça fait plaisir de l'entendre. What? Oh, hey! I have so many cubes! Bienvenue dans le test final du protocole de soins de notre hôpital. Vous êtes ici car vous avez réussi brillamment les 10 autres tests. À la fin de celui-ci, votre statut passera donc de patient à celui de soigné. Vous pourrez donc ainsi reprendre une vie normale au sein de notre société. Pas trop tôt, mais attendez, il n'y a pas de test dans cette salle. Je vous assure qu'il y en a bien un, alors réfléchissez. Vous verrez que la solution vient d'un point à qui sait attendre. Ouais. What's this sound? What? Fais chier, y a rien à faire. Je ne vois pas du tout de solution. Fuck. C'est pas possible. Il se fout de ma gueule ou quoi? Ah. It's better. Vous pouvez peut-être m'aider, non? No! Et merde, si proche du but. Je crois que je vais péter un câble. Bon allez, posons-nous un peu et réfléchissons. Je suis dans une petite salle avec plein de cubes. Il n'y a ni interrupteur, ni plaque de pression, pas de tourelle, pas de laser non plus. Il n'y a qu'une seule porte. Et merde, y a pas de sortie? Où est la sortie? Ok, c'est bon, j'ai compris. Fini de jouer. Nous sommes au dernier test et je n'ai toujours pas retrouvé la mémoire. Et vous me dites que je suis soigné. Je ne me rappelle de rien avant mon réveil. Alors qu'est-ce que vous m'avez fait? Vous ne pouvez rien me dire, c'est ça, hein? À cause de ce fameux protocole de soins, qui à mon avis n'existe même pas. Répondez-moi! Félicitations. Avec ce raisonnement, vous avez résolu le test final. Alors faites-moi sortir d'ici! Vous avez passé tous les tests haut la main, en démontrant vos capacités physiques et mentales, ainsi que vos sentiments. Vous avez donc suivi mes indications et le protocole à la lettre. Venez-en au fait! S'il vous plaît, pourriez-vous vous rapprocher du centre de la salle? Bien, je vous accorde donc le droit de passer à la phase 2 du protocole de soins. Non, arrêtez! Vous me manipulez depuis le début! Vous m'aviez dit qu'il y avait 10 tests à passer! Dans la phase 1, oui, mais dans la phase 2, vous en avez d'autres à passer. Non, je veux sortir d'ici! Dites-moi où je suis! Dites-moi qui je suis! Bien sûr, mais avant cela, vous allez faire un petit somme. Qu'est-ce que... Gravité inversée. Faites de vos rêves. Oh, arrêtez, là! Qu'est-ce que vous faites? Wow! Gravité rétablie. Quoi? Oh non! Encore cet endroit? Est-ce que je suis mort? I died. Ces voix, elles me parlent. Huh. Thank you, Lotego, Cuda, Malus. Oh, we're dead. Je crois que je les comprends. Oui, ça me revient. Exit. Je m'appelle Alan. Okay. Une chambre? Où est-ce que je suis encore?
Toute cette histoire de test, ce n'était qu'un rêve. Oh, yikes. Je crois que c'était bien réel. Réinitialisation en cours. Bien, maintenant que vous êtes reposé et calmé, bienvenue dans la phase 2 du protocole de soins. Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin ? Calmez-vous, nous ne voulons que votre bien. Comprenez que si l'on annonçait au patient que celui-ci doit résoudre une vingtaine de tests avant d'établir une possibilité de sortie, il risquerait de ne pas apprécier et de perdre la raison. Parce que vous croyez que je vais bien ? Après tout ce que vous m'avez fait subir ? Comme je vous l'ai dit, je ne fais qu'appliquer le protocole. Ce n'est donc pas à moi que vous devez vous plaindre. Ah bah bien sûr, maintenant ça va être de ma faute. J'ai pas demandé à être ici, moi. Et moi, je n'ai pas demandé à avoir un patient capricieux. Un patient ? Maintenant j'ai un nom, et c'est Alan. Oh, intéressant. Je vois que le choc vous a au moins éclairci la mémoire. Eh bien, enchanté, Alan. Et moi aussi, j'ai un nom. Vous pouvez m'appeler Darwin. Et vous n'avez pas d'autre choix que de continuer cette phase 2. Ouais, sur ce point, Darwin, vous avez raison. Mais ne croyez pas pour autant que je vous fais confiance. Bien, la phase 2 est donc constituée de 13 tests. Ce qui vous amènera après la salle numéro 25 au véritable test final. À présent, je vous laisse le choix de décider dans quel ordre vous voulez résoudre les 4 prochains tests. Dude, ah, fuck French people. Je demande votre part, Darwin. Réinitialisation en cours. Ah! Thank you, Squirm. Fucking baguettes and... Encore un de ces foutus tests. Oui, mais deux éléments nouveaux ont été ajoutés à ce test. Box. J'espérais que vous sauriez le résoudre. Ouais, ouais, on verra bien. Maintenant que la barrière de votre mémoire s'est débloquée, je peux vous révéler certaines choses pour la stimuler. Comme l'endroit où je suis, par exemple ? Eh bien, Alan, comme je vous l'ai déjà dit, ces tests sont expérimentaux. Et ils ont commencé il y a tout juste un an. Mais nous ne sommes pas le seul hôpital de recherche à mener ce protocole. Actuellement, vous êtes dans l'hôpital de recherche de Genève, en Suisse. Et comme votre accident était très grave, votre famille n'avait pas d'autre choix que de vous faire passer ces tests. Ok, je vois. No. Huh? What? What did this even do? Hello? I can't go there. Hold on, I have an idea. Wait, look at my shadow. Hold on. Oh, never mind. Oh my god, I did it. Oh. I see. Watch. I am a genius. Hold on. Box stacking. Wait. Oh, fuck, man. How do I get this to stay? There has to be something else that I'm missing. I just don't know what.
Oh, fuck. Réinitialisation en cours. Hmm. Wow, cool, you're French-Canadian. Cool stuff. Official's wing, thanks, dude. So what does that even do? This? Did that disable the red on this side? Oh, it did. Okay, so now that's disabled. Now I can take this. Réinitialisation en cours. So now I take this and I'll have two boxes. Which turn this off, but now I have three boxes. And then I do this. What did that do? Oh, now I can get that box. I was looking at this, but I didn't realize it goes all the way down. Another box. Oops. So now I can, if I can disable that blue, I can stack some boxes in there. So let's disable the blue again. To do that, oh jeez. Was it this one? I think. Yes. Now I'll bring this over here. Actually, I don't think that disabled it. No, that's not the right one. Is it that one? I think that was it. Okay. Well, if that's that, okay. So now that's disabled. Now I should be able to stack this box. Like that. And now let's grab the other one. Oh, fuck. Wait. I gotta move that box on there now. And that gives me this button. Bien, vous venez d'activer which un interrupteur de la porte du test numéro 17. Vous devez activer just opens his door? Okay. Got it. Réinitialisation en cours. Thanks, Gayweed. Oh. Okay. Réinitialisation en cours. J'aurais une question à vous poser. Vous vous appelez Darwin, comme Charles Darwin, le scientifique. Dude, these fucking puzzles. We're gonna go back to sub mode.
et de la sélection naturelle de Darwin. There we go. Sûrement été dans ce centre. Ah, oh, I'm dead. We're in the next game, though. Thank you.